Je peux crever deux. Marina Foïs aborde le destin tragique de son frère. Elle n'est plus trop capable ni d'assumer son rôle de mère, ni d'être la femme de quelqu'un, ni d'aimer, ni de partager, elle est perdue. J'ai toujours trouvé ce passe-temps débile. La vie des Foïs, c'est un équilibre instable entre beaucoup de chance et pas mal d'infortune. Sa disparition a été catastrophique à de nombreux égards. Il y avait ma douleur à moi, bien sûr. Mais je m'inquiétais aussi pour celle de mes parents, qui était insoutenable. Cela n'est pas que négatif. Évidemment que je préférerais que mon grand frère soit vivant, ce serait plus marrant, mais les drames donnent aussi du courage. J'y crois.